Bonjour et bienvenue pour démarrer le dernier épisode de Gotham Knax. C'est vrai que la série fut courte puisque la quête principale est assez courte. Et oui, même si j'ai fait deux épisodes de quêtes secondaires qui ont permis déjà d'une d'XP et de deux de faire durer un peu plus la série, mais c'est comme ça. Alors nous sommes en mauvaise posture puisque les Man-Bats sont un peu partout. On va regarder le tableau d'épreuves pour savoir où ils se situent. Et comme ça, on va déterminer la localisation et du coup, on va devoir également les tuer. Piste, des Man-Bats terrorisent la ville et attaquent des citoyens. Ils ont été aperçus à trois endroits différents, le Centre Elliott, Wayne Tech et le Gotham City General Hospital. Ok, ils sont au nombre de trois. Nous allons nous occuper de ces trois Man-Bats. Ils ne me font pas peur, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ok, ils sont localisés à ces endroits. En plus, on a une petite aide là qui nous affiche exactement où ils se situent. Nous sommes à l'Elliott Center et le Man-Bat arrive. Viens te battre si t'es un homme. Tu sais que tu vas pas t'en sortir. Tu sais que tu vas mourir. Ok, il est level 26, pour l'instant je suis level 25. Ok, il faut faire attention à son cri. Il se protège avec sa garde, d'accord, il faut être au courant. J'esquive, tout se passe bien pour l'instant. Il est au sol. Allez, j'en profite pour lui mettre quelques balles dans la tête. Je me pose une question, dis-moi en commentaire comment tu regardes mes séries. Ça m'intéresse de savoir si tu regardes plutôt mes séries sur mobile, sur tablette ou même sur la version web, sur ordinateur. Ça m'intéresse de savoir pour savoir comment enregistrer en fait pour améliorer la qualité de mes vidéos. Ok, il se protège. Facile, j'esquive. Je suis là. Prends ça. Ah ouais, 1800 quand même. Je suis au sol, je mets quelques balles dans la tête. Alors rien de compliqué hein, pour cet ennemi. Franchement. En fait, l'avantage de Redwood, c'est que on peut rester à distance. Ok, il appelle des copains. Et franchement, ça change tout en fait, pouvoir être à distance. Alors j'adore jouer Robin, mais pour moi, le meilleur personnage reste Redwood. Regarde, en plus de ça, maintenant on peut geler les ennemis, donc c'est overcheaté. Et en plus de ça, quand tu brises la glace, ça fait énormément de dégâts. Ok. Allez, on est revenu. Un one-to-one, mano à mano. Ok, il appelle des copains. Il y a un truc que je trouve dommage tout de même, c'est qu'on ne puisse pas projeter les ennemis en dehors des bâtiments, par exemple. Par exemple, ce bâtiment, l'Elliott Center, ça aurait pu être vraiment sympa, comme ça au moins l'ennemi est mort directement. Alors le jeu est plutôt bon, sincèrement j'adore jouer au jeu. Hein. Mais il y a quelques déchets techniques tout de même. Des fois ça freeze. Alors, pour te dire, on n'est pas à 30 FPS constant, ça c'est sûr et certain. Ça je peux te le garantir. Et des fois quand on est trop près des objets, le personnage ne se déplace pas ou pratiquement pas. Enfin c'est des fois insupportable de gérer la sélection par exemple pour examiner par exemple un objet ou parler à un personnage, des fois c'est très difficile. Je
pense même que tu l'as vu durant les épisodes, ça c'est certain, parce que je l'ai rencontré à plusieurs reprises durant la série. Aussi, tu vois, cette partie-là est extrêmement bien faite, les décors sont très jolis. En revanche, il y a beaucoup de déchets techniques sur la ville. Quand t'es dans la ville, des fois, il y a des bâtiments qui sont pratiquement pas faits, en fait, ils sont pas finis. Les décors, je trouve c'est moche. Après, tout ce qui est au niveau de la quête principale, tous les décors sont extrêmement bien faits. Après, une fois que tu te balades en ville, sincèrement, quand tu te balades dans Gotham, il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, beaucoup de décors qui sont à revoir. Ok. Alors, il en reste un, non? On est d'accord? Yes. Allez, lance le fait, et puis on va s'attaquer au deuxième Mad Bat. Je l'ai pulvérisé. Regarde, pourquoi ils ont les jambes en l'air? Tu vois, ça c'est encore des petits bugs qui restent, qu'ils auraient pu corriger avant la sortie du jeu. Ok, maintenant, l'hôpital. Où est-il? Wouh! Allez, ça y est, on est tout en haut de l'hôpital. Je vais récupérer le batarang. Ok, c'est fait. Voilà. Où es-tu? Il est là. Nous, la racaille, on l'écrase. Ah, t'es aussi level 25. C'est beaucoup plus abordable. Je pense que celui-ci, on va le chercher un peu plus rapidement. Ah ouais, d'accord. Il a presque perdu la moitié de sa vie. Laisse-moi le taper, s'il te plaît. Allez, je récupère les deux popos de soins. Bon, là, je tire dans le vide. Je vais arrêter de tirer pour rien.
Ok, le deuxième est mort. Et le dernier, il est à Waintech. Nous approchons tranquillement de la tour Waintech. Ça y est, nous y sommes. Et où est le rat? Où est le sale rat? Ah, c'est vrai qu'entre Gotham et The Plague, nous sommes servis en termes de rats. Alors ici, la surface de combat est assez petite. Je crois qu'on ne va pas tomber. Prends ça. Oh, 3000 points de dégâts. Déjà ? Et celui-ci n'a pas fait long feu, il a même pas eu le temps d'appeler ses copains. Bonne nouvelle, on a une position. Les créatures semblent provenir du cimetière. Merci Beffroi, je suis en route. Le Beffroi détermine la position de Talia, allez la voir et mettez un terme à l'assaut de la Ligue. Fouillez les tunnels. Il y a bien que la Ligue pour trouver un point plus flippant qu'Arkham. Tranquille. Donne un peu la gerbe. Ok. Ce saut serait fatal, même pour moi. Comment je peux traverser? Ok, comment faire pour traverser? Touchez le poteau pour vous y agripper avec le grappin. Ok. Comment on fait pour le toucher? Idem pour celui-ci. Ah ben voilà, c'est simple, il suffit de tirer dessus. Pourquoi tu es tombé? T'es pas dit d'avancer? Je t'ai dit d'utiliser le grappin. Voilà, c'est mieux. Sous terre pour suivre la Ligue. T'as pas été discrète. Allez, on fait de même avec les autres. Ne fais rien que je ne fasse pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu une explosion. On est d'accord, je suis pas fou. Il y a bien eu une explosion. Encore une explosion. Encore une. Il y a quoi? Il y a des mines au sol? Mais froid, je me trouve dans la Batcave. Enfin, ce qui était plutôt la Batcave. C'est vraiment loin du cimetière. Combien mesure ce tunnel? Aucune idée, mais je vais continuer. Je veux savoir ce qui se trame ici. Évite de tomber dans un gouffre. Qu'est-ce que c'est? Ok, Beffroi. Pénis géant. Oh! Waouh, un peu plus, je mourrais. C'est vrai que quand tu t'y attends pas, t'oublies d'appuyer sur le grappin et des ennemis. Alors, si t'as le jeu et que t'as joué au jeu et que t'es arrivé également à la fin du jeu, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as utilisé un autre personnage que Redwood, puisque je pense que. Alors, j'adore jouer le personnage de Robin, mais je pense que c'est toujours. L'autre personnage que Redwood, je pense que ça va être un peu plus difficile à jouer puisque c'est vrai que Redwood est overcheaté. Et encore, il n'y a pas toutes les compétences qui sont attribuées parce que j'ai pas l'arbre chevalier. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on doit le faire avec tous les personnages. Bon, après, ça fait partie du jeu, mais on va préférer le débloquer pour tous les personnages puisque c'est vrai que faire 10 crimes, c'est assez long. C'est que je suis sur la bonne voie. J'en ai fait 8 avec Redwood. J'en ai fait 10 avec
et froid. Avec Robin, puisque voilà, j'ai réussi à débloquer l'arbre journalier. Informe les autres. Dit la Batcave effondrée. Ok, des ennemis. Allez, on progresse, on continue. J'ai appuyé sur esquiver, j'ai bien appuyé sur rond, je sais pas ce qui s'est passé. Ok, j'ai appuyé sur rond pour esquiver, je sais pas ce qui se passe. Ok, il est gelé. Ah, tu vois, une fois qu'il est gelé et que tu l'attaques juste après, il prend entre 2 et 3000 points de dégâts. Ça fait énormément de dégâts. Franchement, les compétences élémentaires sont vraiment cheatées. C'est vrai que tu les as pas au début, ça manque un petit peu. Et c'est vrai qu'à partir du level 20, il me semble, on les a. Un peu plus tôt vers 18. Et c'est vrai qu'on prend pleine puissance des compétences élémentaires vers level 20. Et c'est vraiment sympa. Ça fait énormément de dégâts. Ah, et ça y était mort. Il y a un gardien de la ligue. Il est tout seul. Allez, progressons. Fouiller les cavernes. T'as vu le tableau de Joker ? Excellent.
Allez, cours. Ok, alors, je me suis pris la bombe. Enfin, plutôt la lanterne bombe. Parce que je n'ai pas couru. Et là, impossible de s'agripper. Pourquoi? Je crois qu'il faut d'abord tirer sur les lanternes. Oui, c'est ça. Ok. Je suis allé un peu trop vite. Alors, le décor est sympa. Franchement, c'est super joli avec les lanternes. Mais les décors sont assez répétitifs. Alors, que faut-il faire ici? Allez, je saute, hein, je le tente. Ok, c'est la solution. Parfait, on progresse. J'ai l'impression de descendre aux enfers. Que va-t-il m'attendre tout au fond de l'enfer? Allez, des ennemis ici déjà dans un premier temps. Jolie l'esquive. Le massacre est coup. D'accord, et en plus la lanterne explose. Pas mal de dégâts là sur ce coup là. Pourquoi tu tires au sol? L'ennemi n'est pas au sol hein. Allez, prends ça. Je récupère un pack de soins. Allez, c'est terminé. Et tous mes packs de soins, chercher une sortie. Buté. Alors ici, on peut se faufiler. Est-ce qu'il y a un autre chemin? On vient de là. Et est-ce qu'on peut passer par là? Peut-être qu'il y a un coffre à récupérer. Non, c'est vraiment uniquement décoratif. Notre objectif est de se faufiler. Oh, j'ai hâte de revoir le ciel. Rendez-vous dans les cavernes inférieures. Alors là, il faut pas que j'oublie d'utiliser le grappin, c'est parfait. On a pas mal de jeux de plateforme là pour clôturer la série. Je fais attention aux lanternes, des ennemis. J'avance un petit peu parce que ça m'embêterait que les lanternes explosent. Celui-ci va exploser vite. Ah, j'ai pas réussi à esquiver. Des impacts de soins.
on se faufile, on se fait tout maigre. Rentre le ventre. Allez, rentre le ventre un peu plus. Galérer pour transporter l'eau du puits de Lazare jusqu'à la surface. Allez, on se les fait. Costaud. Allez, on y va. Un peu plus, je tombais. Ok, 3 ennemis. 4, non ? Bon, 3. Alors en fait, c'est vrai qu'on voit pas toujours les ennemis, puisque vu qu'ils disparaissent et qu'ils réapparaissent, parfois c'est pas évident de les compter. Éliminer les gardes de la ligue. Entrer dans le temple. Il est là. Allez, rentre le ventre. Fantastique. C'est bien un puits de Lazare. J'ai vu ce que t'as fait, Arkham.
C'est moche, même venant de toi. Savais-tu, mon enfant, que les puits de Lazare pouvaient servir à autre chose qu'à sauver un être de l'étreinte de la mort? Ils ont divers usages. En fait, un puits de Lazare peut rendre un esprit plus malléable, plus ouvert aux suggestions. Oui, je t'en prie, vante-moi les mérites des puits de Lazare. Parfois, ce n'est pas l'armée qui importe. Parfois, il faut surtout avoir le bon général pour la guider. Quoi? J'étais pas assez bien pour toi? Ça fait mal. Vous, tout comme votre précieux Batman, vous n'avez jamais réussi à sauver Gotham. J'ai enfin pu résoudre ce problème. Exposition répétée au puits de Lazare. Contrairement à lui, je me suis servi de ce puits pour permettre à Bruce d'oublier son ridicule serment. Et toi, tu arrives à point nommé. L'ultime épreuve de Bruce. Ensuite, notre nouvelle ligue nimbée de gloire changera le monde. Massacre cette imposture. Reprends cette ville qui n'appartient qu'à toi. Bruce. Ne l'écoute pas. Warner Bros. A réussi à trouver un moyen de faire revenir Mr. Bruce, alias Batman. Wow, c'est chaud. Il est rapide. Vraiment rapide. Comme d'habitude, on va rester à distance. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Pourtant j'esquive, hein. Il est bugué là, il prend plus de dégâts. Faire appel à Bruce. Je cours, je sais pas où il va pop. Allez, bon ça.
parler des enfers, Bruce. Tu m'as empêché de tuer. T'as oublié tout ça? Non, ne mens pas. C'est la vérité. Je suis Jason. Je suis vivant. Et j'ai besoin de te retrouver. Esquive. Il est où ? Reste loin de moi ? Je t'écoute, Jason. On a résolu l'affaire Langstrom. Tous ensemble, en collaborant. Mais la cour des hiboux, elle existe. Vous l'avez trouvée? On ramenait la voix, mais... Allez, on va se taper la honte si quelqu'un me voit en train de t'aider. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Et surtout pas à moi. Allons-y. Je m'occuperai d'elle plus tard. Qu'est-ce que t'as, Bruce ? Il suffisait de rester tranquille, mon bien-aimé. Laisse-moi nous débarrasser de ce fardeau pour notre bien. Non ! Pitié, Bruce. Tu peux pas. C'est à ton tour, Jason. Je sais que tu ne lâcheras rien. J'aurais dû te laisser dans ta tombe. Parce que c'est lui, Talia, je ne vais pas te tuer. Et ça va te faire vachement, mais vachement plus mal qu'à moi. Et c'est parti pour le combat ultime. Ok, elle est très rapide. Agonie commence.
Salut. Je te tuerai, peu importe notre passé. Sa vie fond comme neige au soleil. Charge. Tu as utilisé toutes tes vies. Tu ne me décevras plus jamais. Allez, gelé. Vite. Toi, mon cher Jason, tellement obnubilé par moi que tu n'as même pas vu que c'était toi la proie. Oh non, c'est toi la fautive, Talia al Ghul. Ton abomination nous a conduits ici, et maintenant toi, tu vas périr avec elle. Vous n'apporterez jamais la mort à une Al Ghul. Ok, maintenant elle a une lance. Et elle se déplace aussi vite. Voire peut-être même plus vite. Mais écoute, tu vas rester à distance. Hein. T'as l'habitude maintenant. 3 coups. Elle envoie 3 projectiles. Allez, un pack de soins. Il en reste 3.
n'apprenez donc jamais. Et maintenant, tu vas mourir. Prends ça. Trois coups. Voilà. C'est le boss le plus simple du jeu. Vous avez tous grandi sans moi. Devenez vos propres héros. Les chevaliers dont Gotham avait besoin. Ensemble, vous êtes plus fort que Batman ne l'a jamais été. Je suis si fier de vous tous. Pardonnez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu ferais mieux de courir. Je vous en empêcherai.
il n'y a plus de puits de Lazare. Réduit en miettes. Comme le puits a été détruit, la cour des hiboux est partie se planquer. Grande partie. C'est qu'une question de temps avant qu'elle ressurgisse. Bien sûr, Talia a foutu le camp. Elle fait profil bas en préparant son prochain coup. Bien sûr, elle a laissé quelques pantins de la Ligue pour nous espionner. Ou nous ralentir. Les deux, j'imagine. On a inspecté la Batwing, ou ce qu'il en restait. Il est mort. Gotham a besoin de moi. La cour essaiera d'étouffer cette histoire, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs. Elle n'est pas la seule à rester à l'affût. Démasquer Jacob Kane, ce n'était que le début. La cour des hiboux terrorise cette ville depuis des siècles. Et ils sont pas prêts de s'arrêter. Mais cette époque où ils faisaient régner le silence est révolue. Jusqu'au dernier, je les retrouverai tous. Et j'exposerai leurs crimes en plein jour. Peuple de Gotham, vous méritez tous de vivre sans peur. Et je vous jure de me battre pour l'éliminer. Pour votre paix. Sincèrement, ce fut une aventure fort sympathique, je me suis régalé. Le jeu est bon, alors c'est pas un jeu très très bon, mais l'histoire principale est vraiment fun, franchement, à faire. Je me suis régalé, mis à part les 2 ou 3 déchets techniques. Globalement, c'est bon, mais il y a tout de même encore quelque chose à régler dans Gotham. Sincèrement, il y a beaucoup, beaucoup d'imperfections sur les bâtiments, ça se voit direct. Après, graphiquement, au niveau des personnages, c'est très très bien fait, mais sincèrement, en ville, c'est très compliqué, ça fait mal aux yeux des fois par moment. Allez, on se retrouve bientôt pour God of War Ragnarok, le jeu tant attendu qui sort le 9 novembre. N'hésite pas à t'abonner si t'arrives sur la chaîne, puisque je pense que la première vidéo sortira avant le 9 novembre. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, bye bye !